Mohamed, le CSBJ reçoit Biarritz vendredi au stade Pierre-Rageant. C'est un match qu'on peut qualifier de très important dans le contexte actuel. Oui, c'est sûr. Après, c'est un match parmi tant d'autres, mais je pense que oui, on l'a préparé comme un match très important toute la semaine. Je pense qu'on a remis un peu les choses à leur place. On s'est remis nous-mêmes à notre place. Du coup, je pense qu'on a beaucoup de choses à se faire pardonner pour nous-mêmes, pour tout le monde, et surtout pour le boulot qu'on fait la semaine. Et que voilà, on est conscient qu'on ne donne pas tout, surtout à l'extérieur. Et ça, c'est très frustrant. Donc, je pense qu'on va tout faire pour se faire pardonner et faire un match très complet dès demain. C'est vrai que vous sortez de trois défaites consécutives dans deux scores lourds. Souvent dans ces périodes-là, on a tendance à perdre confiance, à douter, mais justement, comment faire pour ne pas tomber dans cette mauvaise spirale-là? Oui, c'est sûr. Après, voilà, on va pas se mentir. C'est sûr qu'en prenant 40, 50 points à chaque match, voilà, on s'est mis un peu le doute, on s'est fait un peu peur, mais je pense que on travaille assez bien, on se met assez bien en confiance toute la semaine pour remonter ça. Et voilà, faut surtout pas jouer demain avec la peur au ventre. Faut surtout pas, faut faire notre jeu, faut continuer à aller dans le sens parce que ça va payer. On a eu des moments un peu difficiles où je pense qu'on a lâché un peu trop vite les matchs. Voilà, on a beaucoup travaillé sur ça et voilà, moi je suis persuadé que ça va payer dès ce week-end et ça va se voir sur le terrain. Est-ce que retrouver le stade Pierre-Rageant, votre public qui continue à vous suivre, ça peut être un petit plus, un facteur qui peut vous redonner ce goût d'aller chercher encore plus et peut-être la victoire? Oui, c'est sûr que. On le voit même à l'extérieur, hein, le peu de public qu'il y avait, voilà, c'était eux qui nous remontaient le moral. Voilà, on avait vraiment la tête basse et ils étaient là, même en ayant pris 50 points, ils ont remonté le moral. Et là, je pense qu'on n'a qu'une seule chose à faire, c'est leur faire plaisir et faire plaisir à nous-mêmes. Et vraiment montrer qu'on a des valeurs, qu'on a tout le temps eu des valeurs, on a tout le temps su remonter ces moments un peu difficiles, ces moments de doute. Et voilà, c'est avec le public, c'est avec un peu tout le monde qu'on va pouvoir le faire. Et je pense qu'on est prêt, les publics aussi, je pense, vont répondre présent demain pour gagner tous ensemble.